Tous ces aspects sont justes et vrais, mais aucun d'eux n'est complet. La vérité absolue n'est que dans l'ensemble de l'œuvre. Que chacun y trouve ce qu'il y cherche. Et le poète, qui ne s'en flatte pas du reste, aura atteint son but. Le sujet philosophique Rublas, c'est le peuple aspirant aux régions élevées. Le peuple aspirant aux régions élevées. Qui tend vers, tendre vers, ambitionner, aspirer, ambitionner, au tend vers, aspirant vers des régions, aux régions élevées. Le sujet humain, c'est un homme qui aime une femme. Le sujet dramatique, c'est un laquais qui aime une reine. La foule qui se presse chaque soir devant cette œuvre. Parce qu'en France, jamais l'attention publique n'a fait défaut aux tentatives de l'esprit. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs, la foule, disons-nous, ne voit dans Rublas que ce dernier sujet, le sujet dramatique, le laquais, et elle a raison. Et elle a raison. Et ce que nous venons de dire de Rublas nous semble évident de tout autre ouvrage. Les œuvres vénérables, les maîtres ont même cela de remarquable, qu'elles offrent plus de faces à étudier que les autres. Tartuffe fait rire ceci et tremble cela. Tartuffe, c'est le serpent domestique, ou bien c'est l'hypocrite, ou bien c'est l'hypocrisé. C'est tantôt un homme, tantôt une idée. Othello. Pour les uns, c'est un noir qui aime une blanche. Pour les autres, c'est un parvenu qui a épousé une patricienne. Pour ceux-là, c'est un jaloux. Pour ceux-ci, c'est la jalousie. Et cette diversité d'aspects n'ôte rien à l'unité fondamentale de la composition. Nous l'avons déjà dit ailleurs. 1000 rameaux et un tronc uni. 1000 rameaux et un tronc unique. Si l'auteur de ce livre a particulièrement insisté sur la signification historique de Rublas, c'est que dans sa pensée, par le sens historique, et il est vrai par le sens historique uniquement, Rublas se rattache à Hernani, le grand fait de la noblesse se montre, dans les Hernani comme dans Rublas, à côté du fait du grand fait de la royauté, seulement dans Hernani comme la royauté absolue n'est pas faite. La noblesse lutte. Encore contre le roi, ici avec l'orgueil, là avec l'épée. À demi féodal, à demi rebelle. En 1715-1719, le seigneur vit loin de la cour, dans la montagne, en bandit comme Hernani, ou en patriarche comme Rue Gomez, dont 100 ans plus tard, la question est retournée. Les vassaux sont devenus des courtisans. Et si le seigneur sent encore d'aventure le besoin de cacher son nom, ce n'est pas pour échapper au roi, c'est pour échapper à ses créanciers. Il ne se fait pas bandit, il se fait bohémien. On sent que la royauté absolue a passé pendant de longues années sur ses nobles têtes, courbant l'une, brisant l'autre. Et puis qu'on nous permette ce dernier mot entre Hernani et Rublas. Entre Hernani et Rublas.
Pardon, s'il vous plaît. La question est retournée. Les vaisseaux sont devenus des courtisans. Et si le Seigneur sent encore l'aventure, le besoin de de cacher son nom, ce n'est pas pour échapper au roi, c'est pour échapper à ses créanciers. Il ne se fait pas bandit, il se fait bohémien. On sent que la royauté absolue a passé pendant de longues années sur ses nobles têtes, courbant l'une, brisant l'autre. Et puis, qu'on nous permette ce dernier mot entre Hernani et Rublas, deux siècles de l'Espagne sont encadrés, deux grands siècles pendant lesquels il a été donné à la descendance de Charles Quint de dominer le monde, deux siècles que la Providence, chose remarquable, n'a pas voulu allonger. D'une heure, car Charles Quint naît en 1500 et Charles II meurt en 1700. En 1700, Louis IV est hérité de Charles Quint, comme en 1800, Napoléon héritait de Louis XIV. Ces grandes apparitions de dynastie qui illuminent par moments l'histoire sont pour l'auteur un beau et mélancolique spectacle sur lequel ses yeux se fixent, se vouent. Il essaie parfois d'en transporter quelque chose dans ses œuvres. Ainsi, il a voulu remplir Hernani du roi du rayonnement d'une horreur et couvrir Rublas des ténèbres d'un crépuscule. Dans Hernani, le soleil de la maison d'Autriche se lève. Dans Rublas, il se couche. Et couvrir Rublas des ténèbres d'un crépuscule, dont Hernani, le soleil de la maison d'Autriche. Couche. Maison d'Autriche. Acte premier, le salon de Danaï dans le palais du roi à Madrid. Ameublement magnifique dans le goût demi-flamand du temps de Philippe IV. À gauche, une grande fenêtre à châssis doré et à petits carreaux. Des deux côtés, sur un pan coupé, une porte basse donnant dans quelques appartements intérieurs. Au fond, une grande cloison vitrée à châssis doré s'ouvrant par une large porte également vitrée sur une longue galerie. Cette galerie qui traverse tout le théâtre est masquée par d'immenses rideaux qui tombent du haut en bas de la cloison vitrée, une table, un fauteuil et ce qu'il faut pour écrire. Dans sa lustre entre par la petite porte de gauche, suivie de Rublas et de Gudiel, qui portent une cassette plutôt, et divers paquets qu'on dirait disposés pour un voyage. Dans sa lustre est vêtue de velours noir, costume de cour du temps de Charles II, la toison d'or au cou,
Par-dessus, l'habillement noir, un riche manteau de velours vert clair, brodé d'or et doublé de satin noir épais à grande coquille. Chapeau à plumes blanches, gudiel et en noir épais au côté. Rublas et en livrée. Et en livrée. La livrée. Non, livrée. Uniforme. Tenue caractéristique d'une maison que portent les domestiques. Voilà. Haut de chausse et jusqu'au corps, brun surtout, galonné rouge et or, de tête nue, sans épée, première scène, dans sa lutte de bassin, Gudiel, par insistant Rublas.